Good morgen, allez, Iden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Abam Chaynor Ben Fortuné Mazal, Dov Ben Yehudit, Micha Machlouf Ben Masouda, Nachman Yosef Ben Nahum, et Yaakov Nissim Ben Chana, si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Meila, Perik Dalet Mishnah Bet. Chamisha Dvarim Chayavim Baola, Chamisha Dvarim Baola, Mistafim Zemze, Abbasar Vachelev Vassolet Vayain Vashemen, Veshisha Batoda, הבשר והחלב והסולת והיין והשמן והלחם. התרומה ותרומת מעשר של דמי, החלה והביקורים. מצרפים זה עם זה לאסור ולחייב עליהן את החומש. Pour rappel d'abord, dans beaucoup d'interdits de la Torah, il faut nécessairement un shiur pour être condamnable. Il faut nécessairement atteindre une certaine quantité de quelque chose, selon le cas, de volume, une mesure de volume, une mesure de poids, d'accord, d'unité parfois, pour pouvoir transgresser, pour transgresser l'interdit de la Torah. D'accord. En général, on va frapper quelqu'un que s'il va consommer un kazaït. Parfois, on va lui demander une taille d'une date, kotevet. Il y a encore toutes sortes de shiurim, d'accord. Maintenant, ça c'est l'introduction très générale. Maintenant, le sujet de nos mishnayot en ce moment, il est de savoir différents types d'interdits ou variations d'un même interdit. Est-ce que ces choses-là s'associent ensemble pour compléter, pour atteindre la mesure requise pour transgresser un interdit? Et la Mishnah commence en me disant, sache que Chamisha Dvarim Ba'Ola, cinq choses il y a dans le Korban Ola, Mistarfim Zeimze, ils s'associeront ensemble pour transgresser l'interdit, qui sont Abassar, la chair, la viande, la chélève, les graisses interdites qu'on offre en général dans les autres corbanotes. La solette, la semoule. Il faut, lorsqu'on apporte un corban hola, eh bien, il faut aussi apporter une oblation de semoule. La yaïn, et aussi faire une oblation de vin. La chémen, et l'huile aussi. L'oblation de semoule requérait qu'on ajoute aussi dedans de l'huile. Et la Mishnah m'en vient, m'enseigner ça, me dit ça, que tout ça, ça appartient à la même famille du Korban Ola. Donc, si tu vas transgresser, donc ces choses-là vont s'associer pour atteindre le shiur requis. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre un exemple concret. Imaginez qu'on a offert ce Korban et qu'après il est devenu impur. Donc il y a un interdit de le consommer. Pour pouvoir être condamnable du Chiyuv Korban, par exemple, celui qui va te manger cette viande alors qu'il était impur, il va être passible d'un Chiyuv Korban. Eh bien, s'il faut manger une quantité requise de 1 kazaït. Si toutefois il va prendre un demi, un volume, la moitié du volume requis de la viande avec la moitié du volume requis de la solette par exemple, de la seroule, la Mishnah vient m'enseigner en me disant que ça s'associe. Tout est de la même famille de la Ola. Ok? Donc je recommence. Chamisha Dvarim Ba'Ola, il y a 5 choses qui s'associent dans le Korban Ola. Mais mitzvahim zeimze qui s'associent ensemble pour être condamnables, qui sont abassar la viande, vachelev la graisse. La graisse, on parle des fameuses graisses que dans les autres korbanot, c'est la seule chose que l'on fait monter sur le misbéach. Quand on apporte un korban toda, khatat, hacham, il faut juste retirer les graisses qui s'appellent encore les imurim, les trois groupes de graisses qu'il faut faire monter sur le misbéach. La Mishnah vient m'enseigner, sache que ça s'associe avec la viande aussi. Vea solette et la semoule, vea yaïn et le vin, vea shemen et l'huile. Pourquoi est-ce qu'ils s'associent pour transgresser quel type d'interdit? Alors là, ça se complique. Parce que, au sens simple, il y a pigoul notar tamé et meïla. Pigoul, c'est le fameux korban, si on a une mauvaise intention, lorsqu'on a fait le korban, on a une intention de le manger au-delà des limites de temps, et on interdit carrément de le manger. Notar, c'est, on a bien fait le korban, mais on a laissé traîner jusqu'au lendemain. Et tamé, c'est que c'était impurifié, comme le cas qu'on a évoqué. Et aussi l'interdit de Meïla. Si je transgresse l'interdit de Meïla, donc des sacrilèges, que si j'ai tiré profit d'un petit peu de la viande et d'un peu du vin, et même un peu de semoule encore, et ensemble j'ai eu un profit de une prota, je transgresserai l'interdit de Meïla, je devrais apporter un corban de Meïla en payant le profit que j'ai tiré. Pour le moment ça va. Le problème est que le Bartanois a ouvert une notion. Il a ouvert en disant que ça s'associe aussi pour transgresser un interdit de Ma'ale Bachout. On l'avait évoqué dans la mission précédente, qui est un interdit de faire un korban à l'extérieur du Beth Amikdash.
que tu dois porter à l'intérieur du Beth-Amigdash, tu n'as pas le droit de faire à l'extérieur du Beth-Amigdash. Et même pas un petit peu. Tu dois tout faire à l'intérieur du Beth-Amigdash. S'il va transgresser maintenant l'interdit de faire monter un kazaït à l'extérieur du Beth-Amigdash, il va transgresser donc l'interdit de Malé Bachutz. Il sera aussi possible d'un korban, il aura fait une grave faute. Le problème, il est que ces choses-là ne s'associent pas. Je vous le dis très rapidement, il y a un très long tout Tosot Yom Tov, si vous constatez. En deux mots, parmi tous les problèmes qu'il a le Tosot Yom Tov, il rapporte un Tosfot qui contre complètement tout ça, dans Svachim, et qui me dit, Tosot, il me dit, écoute, là, tu ne peux pas le faire. Le vin, ça ne peut pas s'associer avec de la semoule ou de la viande. Pourquoi? La viande, c'est une boisson, c'est la nourriture, et le vin, c'est une boisson. Et la boisson et la nourriture, ça ne s'associe pas ensemble. Il y a encore plusieurs questions, mais pour notre propos, on s'arrête là. Juste, Tosot Yom Tov, il nous dit, ben, selon Tosot, il faut supprimer cette histoire de Maale Bachutz. Il faut juste dire les Kazaït, les Chayev Mishum, Pigul Notar Vetame, sans parler de Maale Bachutz. Deuxième partie de la Mishnah, Veshisha Batoda. Il y a encore six choses dans les Korban Toda que eux vont s'associer. Pour transgresser l'interdit de Meila, non. Pour transgresser l'interdit de Pigul Notar Vetame, excusez-moi. Je commence à traduire, je vais expliquer tout de suite. Qui sont les six choses qu'on trouve dans la Torah, c'est la même chose, les cinq comme le Korban Ola, avec en plus de ça le Lachme Toda, c'est-à-dire Abassar, donc la viande du Korban Toda. Veachelev, la graisse du Korban Toda. Veasolet, c'est l'oblation de ce moule qu'on apporte en plus. Veayain, le vin, l'oblation de vin. Veachemen, c'est l'huile qui fait le rajouter dans la mincha. Avec en plus de ça, Veachem, les 40 vins. C'est-à-dire, un korban toda, lorsque j'apporte un korban toda, je ne me contente pas juste d'apporter un animal au Beth Amigdash, il faut que j'apporte aussi 40 pains. D'accord? Il y a 40 pains à porter, avec tout un rituel, comment faire? On avait étudié tout ça dans mes narrot longuement. Il y avait en fait la moitié de la pâte, on faisait 10 pains qui étaient chametz, l'autre moitié, on faisait 30 pains, qui étaient des pains de matzah, qui n'étaient pas fermentés. Et il fallait le donner au Kohen. Voilà pour ce qui est écrit dans la Mishnah. Maintenant, la Mishnah me dit, sache que toutes ces choses-là s'associent. Maintenant, elles s'associent pourquoi? Alors la pression, super importante, ça va s'associer pour Pigoul, Notar, Tamé, si toutefois il a été offert avec une mauvaise intention. Si tu vas manger un demi-zaïd de lui, un demi-zaïd de ce côté, et, ou de la des pains même, tout va s'associer sous un seul, une seule entité, donc si tu vas transgresser un seul interdit, c'est vrai, mais il ne faut plus cette fois-ci dire le Meïla. Il faut supprimer Meïla. Pourquoi il ne faut plus supprimer Meïla? Le Barton en lui-même explique, c'est très simple. L'interdit de Meïla n'est pas en vigueur avec les Korban Kodashim Kalim, avec les Korbanot de Shlamim ou de Korban Toda, leçon qu'on apprenait à la fin du Perek Rishon, le premier Perek de Meïla. D'accord? La Mishnah continue maintenant en passant cette fois-ci, on va quitter les Kodashim et on va se mettre à parler d'autres interdits de la Torah, qui sont en l'occurrence les interdits qui ressemblent aux Kodashim mais qui sont plus Kadosh, c'est les dons que l'on fait au Kohen de Trouma, de Troumat Maaser, Troumat Maaser Shel Demaï. À Chalav Abikourim. C'est toutes sortes de devoirs, d'impôts à payer aux Kohanim, qui sont la Tourma, lorsqu'on reçoit de la récolte, il faut prélever, selon la Torah, il n'y a pas de quantité, mais on fixe un 50e, un 40e, un 60e, selon si les généreux ou pas, on prend ça, on donne au Kohen. À part ça, après, il faut prélever un 10e de ce qui reste et le donner au Lévi maintenant. Dans le 10e du 10e, il va falloir prélever de nouveau. Le Lévi va devoir prélever le 10e du 10e. Donc il va en faire une Troumat Maaser et l'offrir aussi au Kohen. Donc pour le moment, on a offert deux choses au Kohen. Moi, j'ai offert ma Trouma. Le Lévi a offert la Troumat Maaser. Il y a aussi Troumat Maaser chez le Dmaï. C'est exactement la même chose, sauf que Dmaï, c'est qu'on avait un doute, est-ce que c'était prélevé ou pas. D'Alachot, c'est toute une Maserhet qui parle de Maserhet Dmaï en l'occurrence. C'est lorsqu'on a un doute, est-ce que c'est prélevé ou pas prélevé. Il y a d'Alachot spécial, il faut reprélever de nouveau. La Mishnah vient m'enseigner et me dit, sache que cette troisième sorte de trauma, et même aussi Achala Vabikurim, Achala, c'est lorsqu'on prélève le pain, aujourd'hui on le brûle, mais à l'époque il fallait le donner au Kohen pour qu'il le mange Betahara, Vabikurim c'est les prémices. Il fallait aussi les prélever, donc les apporter au Beth Amikdash. Eh bien, sache que toutes ces choses-là, Mistafim Zeimze les Essor, ils vont s'associer ensemble pour interdire un plat, ou les Chayev Alen Atachomesh aussi pour imposer de payer le Chomesh, le cinquième. Et je commence à expliquer, c'est très simple. On va prendre deux cas, mais imaginez que ça peut être la même chose avec tous les cinq en même temps. Il y a un peu de Trouma et un peu de la Chala. D'accord? Alors, donc, on a fait du pain,
Et là-bas, il a fallu prélever la challah. Maintenant, on a prévu une quantité de challah où il n'y a pas encore un kazaït, un demi-zaït. Okay, c'est un tout petit bout de challah. Avec en plus de ça, un autre fruit, ou peu importe, qui est aussi prélevé en tourma. Et là-bas aussi, il n'y avait pas un kazaït. Maintenant, s'il n'y a pas un kazaït, je ne suis pas... Alors, je m'explique d'abord. Lorsque je mange un kazaït de maaser, plutôt de tourma, de ce qui revient en Cohen, alors j'ai le devoir de rembourser au Cohen et de même rajouter aussi un cinquième. Mais ça, c'est à condition que je vais manger un kazaït. Donc la Mishnah vient en scène, sache que toutes ces choses, si c'est tourma d'un côté avec challah ou avec bikurim, tout va s'associer. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a inclus tout ça sous un même terme qui s'appelle la Trouma. Trouma Tiadecha, il rapporte le Partanora, que c'est tout inclus, ça s'appelle tout dans la Trouma. Même la Chala et même les Bikurim, ça s'appelle la Trouma, pour te dire qu'ils s'associent tous ensemble, ça rentre sous un même drapeau, sous un même titre, qui s'appelle l'interdit de Trouma, même si finalement ça c'est de la Chala, ça c'est des Bikurim, ça c'est de la Trouma, et ça c'est de la Trouma de ma sœur. Deuxième, en fait, j'ai commencé avec le deuxième. Le premier avait marqué par ça que Mistafim ze imzel et sort. De quoi on parle exactement? C'est très simple. On parle de cette fois-ci des mélanges interdits. Lorsqu'il va y avoir quelque chose d'interdit qui va tomber dans une casserole permise, il y a de la chôte. Vous devez sûrement connaître la règle de permettre parce qu'il y a 60 fois le volume. Ça, c'est vrai pour en général. Mais pour les tourmotes, il faut spécifiquement un centième. Il faut plus qu'un centième pour pouvoir permettre. Autant qu'un centième va dispenser toute la récolte, eh bien ce centième-là qui va tomber dans la récolte, il va tout interdire. D'accord? C'est précisé, donc c'est un centième. Un centième, ça va quitter la récolte parce que la traumatma serre, elle va être d'un centième. Il faut prélever le dixième du dixième, plus encore un petit jouya. Donc ça fait l'équivalent de un centième et un peu plus. Du coup, un centième et un peu plus, ça va interdire tout le plat. La Mishnah vient m'enseigner, sache que si maintenant tu vas avoir un petit peu de trauma qui va se mélanger avec un petit peu de bikurim et tout ensemble va tomber dans un plat, eh bien, ensemble, ils vont s'associer pour qu'on doit calculer qu'il y a en contrepartie plus de 100 fois le volume de ce petit bout qui est tombé, de ce petit bout de mélange qui est tombé, ou sinon, le petit bout de mélange qui est tombé va tout interdire parce que ça s'appelle de la trauma. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Atzlach Rekoltou, Salah.